Je suis resté là. J'étais à la compagnie, une copine a fait les courses de Noël. On était à Rungis. Parce qu'il lui fallait les produits frais. Je l'ai accompagné à Rungis. Après, je suis rentré. J'ai dormi. Comme je l'attendais au café et tout, j'ai suivi les commentaires sur moi. Mais j'ai suivi les commentaires. J'ai eu, il y a une certaine Élise Battante. Bon, là, je prononce son nom. Là, elle va être très star. Elle va être star. Qui a carrément fait un droit de réponse à la Veuve Joyeuse. Moi, je veux te répondre ceci, Élise. Je ne te connais pas. Vous êtes les opportunistes de Facebook. Si tu veux être star, Bracata. Tu peux être star, Bracata, mais ne prononce pas mon nom. Parce que toi et moi ne sommes pas amis. Tu ne me connais pas. Tu entends? J'ai le droit de faire ce que je veux. C'est ma petite maison. Je peux entrer qui je veux ici dans cette maison. Vous comprenez? Je vous ai dit que je ne suis pas la bande des haineuses. Il y a certains ici que vous vous nourrissez. De la reine de Facebook, vous nourrissez des vidéos que la veuve fait. Je sais qu'il y a parmi, il y a beaucoup d'entre vous que je fais rire. Il y a beaucoup d'entre vous qui me critiquent. Ça, je m'en bats les fesses. Il y a beaucoup d'entre vous qui me jugent. Alors là, alors, vous pouvez mourir, hein. Il y a beaucoup de choses que. Il y a beaucoup d'entre vous qui me jugent, mais moi, je m'en fous de vos jugements. Donc, moi, je te dis seulement que je ne te connais pas. Si tu veux être star, Mbrakata, tu vas d'abord te présenter déjà au niveau des réseaux sociaux pour dire qui tu es, qui te connaît. Là, maintenant, il y a certains gens qui ils ont tellement étouffé qu'une personne fait une vidéo. La première fois que tu as fait une vidéo, je t'ai dit oui, quand mes venu me casser la tête ici, tu as fait une vidéo, tu faisais tes vidéos avant. Moi, tu étais mon ami. Je ne l'ai partagé même pas. Après, c'était des vidéos sans intérêt et tout. Après, Max Chopin t'a partagé ta vidéo. Moi, je suis allé écouter ce que tu disais. Ça m'a intéressé. Et après ça, tu as fait semblant de me défendre. Mais tu as défendu en tant qu'une fille bêtie et tout. Et moi, je t'ai répondu que ça n'a rien à y voir. Ce n'est pas parce qu'elle est Bamileke et moi, je suis bêtie que vous allez mettre ça sur la tête de Bamileke bêtie. Ça n'a rien à y voir que je ne voulais pas. Bon. Je vais quand même, jusque-là, j'ai quand même partagé ta vidéo. Oui. Là aujourd'hui, tu me dis, j'étais bloqué parce que ça n'a pas de sens ce que tu dis dans tes vidéos. Ça n'a pas de sens ce que tu parles de moi parce que tu ne me connais même pas. Vous avez votre mentor ici, c'est Marthe Chopin. Si Marthe Chopin, elle a fait une vidéo où elle m'a dénigré, elle m'a dit, ouais, elle m'a présenté des gens qui m'ont. Je m'en fous. Je n'ai jamais demandé à une personne que je veux que apporter moi à boire. Si une personne dit que à notre veuve, il va envoyer 50 euros à la veuve demain, mais je suis contente. Moi, je pars, je prends. Ce n'est pas parce que tu as eu. Déjà que ce n'est même pas toi qui la connais. Cette femme me connaît déjà depuis les réseaux, dans les réseaux sociaux. Mais comme elle t'aime bien, elle est passée par toi. Donc, voilà, si elle m'a apporté le carton de vin, la dernière bouteille qui reste, c'est ça qu'on a coupé ma tête avec. Si elle m'a apporté un carton de vin et que j'ai bu, c'est une très bonne chose. Je lui remercie pour ça. Ça ne doit pas être un chantage que dès qu'une personne donne quelque chose à la Veuve Joyeuse, ça devient un chantage. Tu sais, est-ce que tu. Marthe Chopin, elle te parle de toi. Est-ce que tu sais le nombre de personnes qui m'envoient l'argent? Le nombre de gens qui me donnent même à manger même. Pas parce que je suis pauvre que non. Ou bien parce que je n'ai pas de mari. Non, ce sont des gens de bonne volonté qui veulent bien me donner, qui veulent bien me donner certaines choses. Il y a des gens qui m'aiment bien, qui parfois ici ne me suivent pas ici et qu'ils me suivent à YouTube. Donc maintenant, c'est que dès qu'on est de la Veuve Joyeuse, il faut venir faire des chantages à Facebook. Non. Je suis très reconnaissant aux gens qui m'envoient. Quand hier, j'ai reçu encore combien? J'ai reçu le whisky, j'ai reçu le vin. Demain encore, je vais aller récupérer les paquets qu'on m'a envoyés. Les gens de bonne volonté qui me regardent dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas fâché. Donc, ce n'est pas que parce qu'une personne de bonne volonté va m'aider que vous allez venir maintenant me dire que vous me faites des chantages. Non. Je n'étais jamais rien demandé du tout. Je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un. C'est vous qui, vous-même, vous prononcez que oh, on va aller voir la Veuve Joyeuse, on va donner. Si vous donnez et après ça devient des chantages, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Je vous demande quelque chose. J'ai déjà fait un direct ici pour dire que donne, faites-moi le litchi. Si le jour que je vais faire demander le litchi ici, les gens de bonne volonté vont aider, vont m'aider dans ce litchi. Vous comprenez? Mais non, je ne le fais pas.
parce que je n'ai pas besoin de litige. Je ne veux pas prendre l'argent des gens pour aller boire l'alcool avec. Je ne veux pas prendre l'argent des gens pour aller me parvenir sur les réseaux sociaux pour monter, pour aller en boîte avec. Si je fais un litige, peut-être c'est pour aider soit les orphelins au Cameroun, soit aider une personne qui est malade, soit. Donc ça se passe comme ça. Donc voilà pour toi. Donc voilà. Donc pour tous les gens qui veulent être star là, les réseaux sociaux pour, qui parlent de moi, ce n'est qu'un coup de vent. Demain ça va finir. C'est tout. C'est bon. C'est un coup de vent. Qu'elles soient méchantes ou pas, ils ont un problème. Je n'ai pas plus le problème de qui que ce soit les réseaux sociaux. Chaque personne se démerde avec ses problèmes. Maintenant, on a dit que si une personne est fâchée contre toi, la personne m'insulte ici, mais seulement je porte plainte et je me tais. C'est comme ça. N'importe qui va faire une vidéo sur moi là, je regarde, je lui dis, mais seulement porte plainte. Donc, continuez. À Facebook. Moi, je suis à Facebook. Je suis là. Je resterai toujours à Facebook. Ce que je suis, c'est ça. Personne ne peut me déstabiliser nulle part. Je dis que jamais. Même si je bagarre encore un jour, que mes fesses sont dehors, jamais je vais fuir Facebook. Je serai toujours là. Et je demande à ceux qui m'aident et qui m'ont tué, qui m'aident et qui font des chantages à Facebook, ne m'aidez plus. Je m'en fous. Comme on est en Chine, on boit la Xin Tao. La bière de chinois. Et ma période de fête, au lieu que les gens s'occupent un peu de leur famille, ils peuvent venir vous asseoir à Facebook. Comment tu peux faire que une femme qui t'a cassé la tête, elle vient s'asseoir chez moi. Elle ne veut pas s'asseoir chez moi par rapport à quoi? Si elle est venue ici, c'était une bonne chose. C'est pour clarifier les choses et pour arranger ma porte. Et ce qu'elle va faire, c'est ça. On vous a dit que j'appartiens à un gang ici à Facebook. Des chantages et de ça. Maman, ceux qui m'ont, tous les gens qui m'ont fait, ils m'ont fougé les sacs ici comme ça. J'ai reçu 3 cadeaux de sacs, sans compter 2 manteaux, sans compter la boîte. Ici, les champagnes, les huîtres même arrivent. Je vais récupérer. On a payé les huîtres pour la bouche, je vais récupérer les huîtres demain pour passer Noël ici. Donc, c'est même quoi avec vous? Ça devient le chantage. Ça devient le chantage. J'ai d'abord tué qui? Même si elle vient ici, c'est pour venir. C'est quoi? Elle peut venir chez moi quand elle veut. J'ai dit ce qui s'est passé. J'ai accepté que oui, j'ai dit ça. Ce qui est vrai, c'est ça. Moi, je suis que quand on m'arrête quelque part, la veuve, tu as fait le constat, je dis oui. Même si c'est énervé quelqu'un, je dis toujours oui. Parce que je reconnais ce que j'ai dit. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là, tout ça est là. Je veux nier quoi sur ça? Tu nies. Si je nie, ça m'enfonce moi. Je veux nier pourquoi? L'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais fait une autre vidéo. Après, si je ne faisais pas la vidéo, je n'aime pas me retrouver là-bas, mon gata. Maintenant, c'est que, quel caractère, tu es en. Tu es d'autres qui disent, oh, tu manques, tu n'as jamais été en cellule, machin truc. Quel casier je sais, tu peux avoir. J'ai un casier de décès, on m'a appelé l'ADN, les empreintes, les paumes de main, tout. On a tout pris. Vous parlez de quoi? Si on te filme comme si tu étais un criminel, ça ne va pas être dans ton casier judiciaire. Vous êtes même folle. Arrêtez.
Ici, dans les réseaux sociaux, quand vous avez à forger votre idée, c'est ça qu'on doit croire. Une personne est devant vous. Et dit que ça s'est passé comme ça. Vous me dites que non, ce n'est pas ça. On va arriver. Parce que tout ça, parce que vous détestez une personne. Parce que vous n'aimez pas les gens. Donc, c'est tout. Moi, je vous dis que les gens qui m'aiment. C'est ce que dans mes vidéos, la plupart des gens qui n'aiment pas que voir mes vidéos, c'est qu'après vous allez voir mes vidéos. Ne m'aidez plus. Pardon. Mes enfants vont très bien. La grande passe avec son chéri au Luxembourg. La petite partie de la famille de mon mari. Voilà. Et moi, je passe me laisser chez moi seul. C'est mieux. Si ma famille a à manger au Cameroun et à boire, les enfants sont habillés, ça me va. C'est tout. Le reste, c'est vous qui jugez. Il y a une qui dit que... Maman, les commentaires de ça. Tu étais au Cameroun. Hein? Même une maison, tu n'as même pas. Non, ok. Bah voilà. Vous dites ce que vous voulez. Si vous avez bien vu mes vidéos, vous avez vu ce que j'ai au Cameroun. Pour moi, c'est que la jalousie vous ronge. La haine et la jalousie vous rongent. C'est tout. Donc là, je mange des vermicelles avec du canard. Maman, c'est moi qui veux faire le sport. C'est moi qui veux faire la taille. C'est moi qui mange comme ça. Hey! Non, ma paille est laid quand même. Ush. Ush. Maman. J'espère que le vieux blanc que je cherche là va me mettre avec mon poisson. Oui, c'est le juge qui va. Oui, c'est le juge. Donc, je dois rester à carreau. Je dois rester à carreau. Donc, c'est juste pour vous parler. Hein. C'est pas tous les jours qu'on fait des vidéos dans la joie, qu'on rit. Donc, voilà. Trop bon. Il y a certains qui ont créé leur Facebook seulement pour venir rester là pour juger les gens. Ah, c'est votre problème là-bas. J'aurais dit que les gens qui m'aident là ne m'aident plus. Les gens qui m'envoient le vent n'envoyaient plus. Là, c'est la période de Noël. Il faut le calme partout. Je vous jure que. Quand vous voulez manger chinois, buvez cette bière. C'est la Tsingtao. Buvez-la. Avec le canard, la quai et le vermicelle. Je vous dis que ça glisse dans la gorge. Ça glisse. Je vous jure. Trop bon. La nourriture, non, c'est là, je mange rien que. Il y a même les sols. Les sols sont arrivés. La viande de bouse est là. Je vous ai dit que dans ma vie, dans cette maison, il y a deux choses qui ne manqueront jamais. À manger et à boire. Jamais dans cette maison. Je peux manquer 1 euro, mais ce qui va dans mon gorge, dans mon gosier, dans mon ventre, rien, ça ne peut pas manger ici. Les gens me font rire ici dans les réseaux sociaux. Les gens me font vraiment rire. Jamais. Je ne peux pas décider. Je vais décider toi pourquoi. Il n'y a même pas 2 semaines. Je ne sais pas, les deux étaient amis sur Facebook. Les deux étaient amis sur Facebook. Elles partageaient. Elles étaient en train de
On te donne les commentaires à toi. Oui, quand j'étais au pays, non. C'est quand j'étais au pays, oui. Il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? L'autre a bloqué l'autre. Ça, c'est mon problème. Donc, voyons. Pardon, Marc, je ne veux pas être grossier avec toi. C'est mon mur. Tu ne peux pas m'insulter dans une vidéo et continuer à m'identifier dans ta marchandise que tu vends sur Facebook. Donc, je ne m'identifie plus dans tes choses. Tu ne peux pas, parce que j'ai vu dans tous mes deux comptes comment c'est toi qui m'insulte dans ta vidéo et c'est toi qui viens encore mettre ta marchandise dans mon mur. Je ne veux pas. Je te dis, c'est ce que retire ça dans mon mur, je ne veux pas les problèmes avec toi. Comme si j'avais même peur de quelqu'un. Ça devient même quoi? Donc, retire tes choses dans mon mur, je ne veux plus. Je te dis ça que va retirer tes choses dans mon mur. Comme ici à Facebook, vous ne pouvez pas voir certaines choses passer devant vous. Vous laissez. C'est toujours vous qui demandez l'amitié aux gens. C'est toujours vous qui aimez, tu là où on déteste quelqu'un. Hier, tu causais avec Katia et fait, même moi, tu m'as lavé là-bas propre. Après, tu revenais avec moi. Et ne suis plus moi dans le. Aidez-moi à détester les gens. Donc, Mate Choupa, c'est mon mur. Tous mes deux Facebook. Je veux que tu retires toutes les choses dans mon mur. Et tu es libre de partir où tu veux, tu commentes où tu veux, tu m'insultes où tu veux, jamais je te répondrai. Parce que je ne peux pas t'insulter. Jamais je vais te manquer de respect parce que tu ne peux pas faire que. C'est parce que pas parce que tu as aidé la veuve joyeuse, ton fils m'a envoyé 10 000. Je le remercie beaucoup quand j'étais au Cameroun. À Monnaie Orange, j'ai dit merci. Ta petite soeur ici, la fille même qui m'a amené le vin là, m'a envoyé, je crois, 50 000. J'ai dit merci, il faut que je dise merci jusqu'à quand ça devient le chantage. Non. Moi, j'essaie de dire merci aux gens qui m'aident. Hein. Moi, je dis toujours merci aux gens qui m'aident. Ça ne devient pas un chantage ou quoi que ce soit. Donc, c'est tout. Et moi, je dis et je répète ici que toutes les filles qui m'insultent dans les réseaux sociaux parce que vous êtes jalouses de moi, c'est tout. J'ai ce que vous n'avez pas dans vos vies. Et je répète que j'ai ce que vous n'avez pas dans vos vies. Donc comprenez ça, c'est ce que c'est moi la vraie joie qui vous dit ça. Je n'ai pas construit ma mère vit au Cameroun, ma mère ne vit pas chez moi. Là où j'ai construit la maison, je n'ai pas les choses au Cameroun, je n'ai pas les dépendances, je n'ai pas les choses au Cameroun. Là-bas à Saint-Molima, moi je suis de Saint-Molima et je parle pour moi. Hein. Donc voilà. Vous êtes là en Europe, hein? Je connais une femme là-bas. Ses filles sont en Suisse. Va voir où la femme la vie. On s'est mis ma mère avec deux de ses enfants ici. Elle est à sa mère, elle dit qu'elle comprend moi la tontine. Ils font leur tontine de ma mère là-bas. On est passé devant la femme là. Elle dit que mais, dans ce cas, ils sont ça. Elle m'a dit que mais, ses filles vivent en Europe. Combien d'entre vous font même quelque chose à leurs parents? Surtout à leur maman au niveau du Cameroun. Non. Vous n'êtes pas nombreux à aider. Même le Noël si même. Même Noël si vous êtes nombreux là. À ne même pas envoyer 1 franc à vos poches, même à vos mamans même. Mais, comme vous avez des connexions chez vous, vous venez vous asseoir ici à Facebook pour inciter des gens comme moi. Moi, malgré tout ce qui m'arrive ces derniers temps-ci. J'ai envoyé l'argent, beaucoup d'argent même. Et demain matin, je vais encore l'envoyer. Et si tu es ici avec vous. Ne m'aidez pas alors. Vous n'avez pas remarqué qu'après tout ça, j'ai tué l'appétit. Tout ce qui m'arrive là dans les réseaux sociaux, j'ai tué l'appétit. Hein. Moi, je mange bien. Hein.
Je mange bien. Même les qui m'a fait la thérapie, ou c'est thérapie, que c'est l'appel là. Que thérapie, elle dit que je suis joyeuse. Lui m'a confirmé ma joie. Je mange, que ça soit au Cameroun, que ça soit ici. Je mange bien et je bois bien. L'homme meurt avec son ventre. La plupart d'entre vous ici, même manger même équilibrement, vous n'arrivez même pas à manger vous-même. Vous ne mangez pas. Vous construisez vos maisons là, au Cameroun. Quand vous arrivez même là-bas, tu n'as même pas la chambre pour dormir dans ta propre maison. Parfois même, on te dit que c'est ton oncle qui gère tes propriétés. Tout ce que vous savez faire à Facebook, c'est que voilà ma maison là-bas, voilà ma maison là-bas. On vous voit là-bas, dans vos maisons. Vous partez même, combien d'entre vous construisent là? Ils sont déjà allés voir là où on construit la maison. Souvent même temps, ta famille prend même la photo. Ils passent filmer la maison du voisin, que le voisin commence à construire la maison. On a dit que voilà ton chantier. Arrivé là-bas, il n'y a pas de chantier, il n'y a rien. Vous allez leur faire quoi? Mais eux, ils construisent les maisons avec votre argent étant ici. Il y a beaucoup de cas comme ça ici, sur Facebook. Beaucoup. Si tu veux manger, moi je mange moi ma chose. Moi j'ai toujours l'appétit. Même si ça me tue. Avant de mourir, je vais demander comme ça un gros steak. Je mange ma chose. Comme ça. C'est des carrés de sang. Je dis quand même, je ne vous mens pas qu'il y a des cas ici. C'est parce que je parle. Il y a beaucoup de cas ici. Tu vois les maisons. On t'envoie toujours, on te dit que voilà ta maison là-bas. Tu es arrivé là-bas. Hein. Il n'y a pas de maison. Mais lui, il a construit sa maison avec sa femme dans un autre quartier. Hein, avec ton argent. On filme les maisons, je vais vous montrer à Facebook. Tu prends la maison, tu viens montrer à Facebook. C'est ma maison. Ma maison. Et puis, il n'y a pas de maison. Il n'y a même pas d'immeuble, il n'y a rien. Comme vous voyez là. Blanche bio, je mange très mal. Et alors, ça t'énerve si je mange mal. C'est toi qui me donnes à manger. Je mange avec le goût. Dis que tu as faim. Tu as faim. D'accord. Tu as faim. Moi, c'est un bon appétit, tu manges mal. Je suis la table du roi ici. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et je tourne ma bouche comme je veux. D'accord? Merci. Je vous dis que la Cinta aussi. La Cinta aussi. Dose. Oh. Ouais, je suis plus une seule. Ouais. Non. Je dis que quand vous allez chez les Chinois, prenez le canard laqué avec la bière qu'on appelle Tsing Tao. La petite bière ici, Tsing Tao. Je vous dis que ça. Je dis que quand tu manges, c'est que tu bois. Non, ça descend comme la bière du pays. Ouais, non. Merci Lola. Je ne la gère même pas, je quoi, ce sont les nouvelles stars de Facebook, non. J'ai parlé avec beaucoup de... J'ai parlé avec certains stars en braquette aujourd'hui. On s'est expliqué pour beaucoup de choses. Aujourd'hui. Moi, j'ai décidé qu'une star en braquette, tu viens t'asseoir ici à Facebook. Tu m'insultes, je ne te réponds même pas. Je ne te réponds pas, parce que je ne peux pas répondre. Ne réponds pas. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Maintenant, c'est que j'ai fait, j'écris seulement. Ah, la police est là. Comme vous croyez que. La police est pour tout le monde. Vous croyez que c'est comme ça. Je ne comprends pas comment les gens peuvent inciter les autres à faire des problèmes, les réseaux sociaux, à dire des choses. Après, les gens commencent à nier. Après, les gens se fâchent même. Il est où le problème? Il est où le problème?
J'ai tout dit ce qui est vrai. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Il est où le problème si Fleur vient ici? Elle peut m'appeler, me dire la veuve, tu es chez toi. Elle dit, elle peut, tu veux venir encore ici maintenant? Ça va vous choquer par rapport à quoi? Vous prenez tous les histoires de Facebook, c'est à cœur jusqu'à ce n'est plus bon. Ça va vous choquer à quoi? Si elle m'a cassé ma tête, c'est ma tête. J'ai tué des réseaux sociaux que je subis seul. Et j'accepte de le subir. Oui. Je bagaille souvent avec vous. Ça a fait quoi? Mais ce que j'aime beaucoup, c'est parce que j'ai l'appétit. Après, je peux même bagarrer avec n'importe qui. Je rentre chez moi, je dors bien. Je rentre même. Et je mange. Je ne suis pas dans un clan de haineux à Facebook. Et je n'ai honte de personne. Je fais ce que je veux. Si je dis que je vais faire une soirée, je pars. Qui va me faire quoi? Je viens boire là-bas dans votre soirée avec votre argent. Attendez que l'année soit finie. L'année soit finie. La veuve joyeuse va encore être la veuve joyeuse d'avant. Et j'ai ma vie, suis-moi libre, c'est quoi? C'est ma tête. C'est votre tête. C'est vous qui pouvez les actuer douleur. Hein? Oui. Ah. Alors, quand je vois la cire tao comme ça, je vous jure que hein, le goût, ouais. Ah. Les enfants ici, la voix m'a fait comment encore acheter la cire tao. La cire tao aussi me rend gay. Ça me rend joyeuse jusqu'à. Je ne réponds plus, non. C'est que maintenant, les gens veulent... Quand j'ai répondu à celle-là. Je suis seulement regardé quand elle a commencé à parler. Elle dit que celle-ci fait me connaître mon milieu. En plus, elle m'identifie. Hein. Elle m'identifie pour que les vies soient beaucoup. Je suis seulement parti. Elle dit que la veuve en a marre de fabriquer. Je suis seulement bloqué. Pap. Je fous quoi avec elle? Je suis pour fabriquer les gens. Elle veut la paix, oh. Faut que cette année s'est finie avec moi dans la joie et la paix. J'ai tout subi. C'est toute ma tête-ci. Bon. Je vais bien manger. Ça, je vais mettre tout au frigo. Maman, vous voyez mon frigo. Hein? Ma tête-ci a tout subi. elle a menacé de me tuer. Ouais, qui n'a pas peur de la mort? Tout le monde a peur de la mort. Hein? Est-ce que tu as dit? J'ai dit, ben oui, j'ai dit. Donc. Dans, ça se vend, là où on vend la nourriture chinoise, où on vend la nourriture chinoise, et vous dites que faites ce que, parce que moi c'est une expérience que je fais en fait. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe, parce que chaque fois que je pars, je commande des plats chinois, j'ajoute souvent des piments. Donc ce qui fait que ça enlève toute la saveur du piment, ça enlève la saveur du plat. Mais comme là j'ai mangé sans piment, parce que je n'ai pas eu le temps de caser mon piment. J'ai mangé sans piment. Je vous jure que merde. Le plat si est succulent avec la bière Tsingtao. Je vous recommande vraiment. Didier Faux, bonjour. Tu dis que quoi? Que tu me disais, tu m'as dit dans la vidéo que quoi hier? Que tu veux voir plus? Sois avec ta tête là. Hein, Didier Faux là. Tu veux voir plus de quoi? Non, l'homme m'a faux. Je ne débloque pas les abeilles de ma faux. Non. Je ne débloque personne.
ne développe pas. Je ne veux pas, je ne veux pas la haine dans mon mur. Je ne veux pas les problèmes dans mon mur. Je ne veux rien du tout. C'est ma foi. Moi, ce que je suis, c'est ça. Mais je ne vous aime pas. Les cobas abeilles, si je ne vous aime pas, vous les cobas là. Je ne débloque personne. Tous les abeilles que j'ai bloquées, je ne débloque aucun abeille. Vous allez me voir sur YouTube ou là où vous voulez. Je ne débloque personne. Vous m'insultez d'abord pourquoi? Bonjour Claire, et toi ça va? Je ne débloque pas moi les gens. Je ne veux pas. Elle dit que l'année prochaine, elle va chercher ma part de vieux blancs. Avec les cheveux blancs, les cheveux poivre sel, qui a une grosse voiture. Je ne vous veux pas. Non. Bon, il y a chinois et chinois. Attends. Il y a chinois et chinois. Moi, je mange les chinois de Surin. C'est pas n'importe qui mange là-bas. Tous les bourgeois qui sont ici mangent là-bas. Et c'est contrôlé ici. Ce n'est pas comme au 13e là-bas qu'on met la viande des chinois dans les, comment on appelle, dans les baignoires. Vous vendez ça là-bas. Vous êtes parti au 13e. Allez-y. Moi, je n'ai pas mangé chinois au 13e. Hein. Vous partez là-bas, c'est votre mort qui arrive là-bas. Hein. Ici. Je suis là, viens me chercher. N'importe quoi. Mimbarma et Bidja te bloquent par rapport à quoi? Tu vas rester là-bas. C'est obligé que tu viens ici, Mimbarma Bin. Tu adores quand je prononce ton nom, Mimbarma Bin. Mimbarma Bin. Tu adores quand je prononce ton nom. Je ne bloque plus les gens. Je bloque par rapport à quoi? Non, Isabelle m'aime déjà. Je ne veux pas qu'elle m'aime. Elle reste. À quel âge, à quel... Il faut d'abord bien écrire le français avant de me... À quel âge tu veux les blancs? Il y a l'âge pour les blancs. Il y a l'âge pour eux. Je vais me marier, dis donc. Donc, ma chérie, je n'ai pas encore trouvé ma part. Je vais te trouver ta part. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pas parce qu'on vit en Europe que c'est facile aussi. Hein. Moi, si vraiment je vis ici, il me faut trouver un homme qui m'aide. Vous voyez, non? Hein? Il me faut trouver un homme qui m'aide. Ce n'est pas un homme que je vais prendre n'importe quel blanc parce que je veux un blanc. Non, j'ai mes papiers. Je vais acheter une maison. Oui, j'ai mes petits revenus, j'ai mes petites choses que je fais. Donc, pourquoi je prendre un blanc qui va venir te casser la tête tous les jours que tu as créé? Tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé quoi? Mais quand la fin du mois arrive, il te sort que, tu sais, je dois donner 1000 euros à ma femme pour la partie alimentaire. Je dois payer l'essence. Ils ont toujours des petits carnets. Donc, s'ils perdent, ils prennent 5000 euros de moi. Sur les 5000 euros de mois, il doit faire ça. Du coup, il reste combien de mois? Même une personne qui prend même 2000 euros de mois, je vous dis que, hein, même une personne qui gagne 2000 euros de mois, entretient la femme plus que celui qui a 5000 euros de mois. Moi, je vous dis, ils ont tous les problèmes du monde. Et, non? Tu m'appelles ta, Elisabeth aime ta veuve. Je ne vous veux pas. Carisse, bonjour, bonsoir. Je ne vous veux pas. Non. C'est qui veut les papiers. Oui, mais moi, je ne veux pas les papiers. Je ne veux pas un homme pour faire un enfant. Je veux un homme qu'on va voyager ensemble. On va peut-être construire quelque chose ensemble. Peut-être des maisons, des trucs comme ça. On fait quelque chose. C'est ça que moi je veux, je ne veux pas de quoi? Quoi? Quel enfant? Non, je veux maintenant me promener, je veux quelqu'un qui va se promener avec moi, qui va m'amener au restaurant, qui je veux voyager avec la personne, on va faire notre vie et tout ça. Vous voyez, on attend maintenant
les petits enfants qui vont venir pour les accueillir ou quoi. Je ne veux pas non plus. Elle me dit non, je t'aime tellement, je veux faire un bébé avec toi. Ah ben, quelle, pas question. Hein. On a bagarré en cellule. Vous dites n'importe quoi. On peut bagarrer dans une cellule de prison. Au début, on était comme ça. Après, nous avions la même cellule. On a fait nos commentaires là-bas propres. On se dit les choses là-bas. On riait là-bas. Tout le commissariat disait que les gens, ce sont les gens qui ont bagarré là-bas. On riait au commissariat jusqu'à quand. On est même le manque de la conversation, elle est déjà bon, c'est un chaud bien. C'est là qu'on vient de dire que madame, vous sortez. Ce n'est pas doux d'être en cellule seule. Hein. Ça tend les nerfs. Quand vous êtes deux, comment le temps passe vite. Vous parlez de quoi? Elle a dormi seule, dormi seule. Dans mon coin, on a beaucoup causé la nuit jusqu'à même 3h du matin. Après, on a vu les médicaments, on a dormi. Après le matin, quand on nous a confrontés, donc nous, elle et moi, on devait déjà parler la nuit. Qu'on doit rester calme et tout ça. Sinon, on va. Vous parlez de quoi même? Lolo, Olivia, c'est ton problème. Moi, je rêve dans ma tête. Si tu ne vis pas sans rêver, ma chérie, Lolo, ma chérie, Olivia, là, moi, je rêve. C'est les gens qui vivent rêvent. Ce sont les morts qui ne rêvent plus. Toi, tu es une morte vivante, tu ne rêves plus. Tu entends, non? Je rêve dans ma tête et j'aurai ce que je veux. C'est toi qui m'as mené en Europe. Hmm? C'est toi qui as vécu avec moi au Cameroun. Tu me connais où? Continue à rêver dans ma tête. Moi, je rêve. Là, tu es chez moi. Là, j'ai le droit de vivre ou de mort. Là. Dis encore un mot si je te bloque. Hmm? Je rêve. Dans la vie, je suis rêveuse. Et je vais avoir ma part bientôt. C'est écrit. Dieu, j'ai écrit ça que je vais avoir ma part bientôt. Un homme bien, avec le poivre sel, qui m'aide, qui va m'aimer. Je veux finir ma vie avec lui, tu entends? C'est comme ça. Je rêve. Mieux de moi que moi, je rêve. Toi, tu rêves que la haine, les injures, la jalousie va vous tuer. Tu as déjà mangé depuis le matin. Tu as mangé depuis le matin. Tu as bu depuis le matin. Tu as envoyé l'argent. Nous sommes en période de Noël. Hein. La force de l'expérience de ça. Hein? Nous sommes en Noël maintenant, hein. Olivia. Lolo, Olivia. Noyom. Nom ou ce nom. Tu as envoyé l'argent à tes parents. Si ta maman est vie pour les parents de vivre, tu as envoyé à tes frères. Je ne suis pas sûr que tu as envoyé quoi que ce soit. Mais moi, je suis une rêveuse dans la vie. Il faut tuer l'espoir. L'espoir fait la force. Quand tu as espoir, il faut toujours avoir l'espoir. L'espoir, c'est pour les gens qui rêvent comme moi. Oui, je rêve d'être à la télé un jour. Qu'est-ce que tu veux en savoir? Je rêve d'épouser telle personne. Quand j'étais petit, j'ai rêvé d'épouser les Blancs. J'ai épousé les Blancs. J'ai rêvé d'avoir des enfants métis. J'ai eu des enfants métis. Et ça, ce n'est pas un rêve qui a été concrétisé. Hmm? Toi, tu rêves de quoi? Lolo, Olivia. Dis-moi, est-ce que tu rêves? Tu rêves de quoi, toi? Vous rêvez seulement de venir insulter les gens des réseaux sociaux, de déstabiliser les gens. Moi, je ne me déstabilise pas. Moi, je vais vous répondre maintenant. Tac ou tac. Tu rêves de quoi? Tu vas même voir peut-être ta petite minable vie là où tu vis, là-bas même dans les carabots, ou bien là où tu vis dans un. C'est ce que tu vis dans un petit appartement là, mité là. Tu ne sais même pas quoi te dire. L'homme blanc a bien fait jusqu'à là, mais il a mis les connexions dans toutes les maisons. Vous restez là toute la journée. Peut-être à venir aussi, je viens te dire que tu rêves. Moi, je dis mes rêves. C'est mon rêve de trouver un blanc qui a les moyens. Tu entends ton rêve, c'est quoi toi? Hmm? Lolo, Olivia. C'est ça, oui. Je rêve, moi, ma chose. Quand je rêve que demain, comme ça, là, je vais manger des huîtres demain. Hey! Demain, je vais manger des huîtres. C'est comme ça. L'espoir fait vivre. Quand on a la vie, on a l'espoir. Quand on rêve, on espère. Tu as trouvé ta part de milliardaire. Parce qu'elle me dit que les rêves dans ta tête. Eh oui. Moi, j'ai une tête bien cognée. Mais il y a les rêves dedans jusqu'à. Si toi, tu ne rêves pas. Hein? Moi, je rêve, Olivia. C'est comme ça. Vous aimez seulement les problèmes, la bagarre. Ma maison est ouverte en quincam. Matin, midi et soir, elle peut venir ici.
elle connaît déjà la route. Elle a appelé. On est arrivé, on a trouvé qu'il y avait des poubelles et tout. Elle est descendue avec toutes les poubelles. Ici. Donc, chaque personne, faites ce que vous voulez là-bas. Moi, à vos joyeux, je continue. Oui. Je crois. Je rêve et je crois que je vais trouver un homme. Je veux trouver. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous avez trouvé papa. Honte à qui? La honte de quoi? C'est vous qui faites honte à la population camerounaise parce que une personne fait sa vidéo, vous venez insulter. Moi, je rêve. Non, quel est le prêtre exorciste? Ah! Ok, laissez les gens tranquilles. Lolo, c'est ton problème là-bas. Ouais, c'est même qui s'occupe à ma tête. C'est même qui ça même. C'est ton problème là-bas. Lolo et moi n'a pas de soucis. Et Lolo ne viendra jamais faire une vidéo pour m'insulter. Je suis désolé pour vous. Elle ne fera jamais aucune vidéo ici pour m'insulter. Allez les citer là où vous voulez. Et ça va arriver là où ça va aller. Non. Attends, non. Vous voulez que j'insulte ici? Je n'insulte pas. Je n'insulte personne. Ici. Tu entends? Va dire ce que tu as dit. Pour vous. Vous aimez beaucoup. Vous aimez trop vos stars là. Plus que vous-même. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment ici, non? Comme arrête là pour dormir en cellule. Vous étiez là. Quand il y a bagarre, vous êtes là. Qui dit que j'arrête de rêver? Il est là. C'est qui même? Il y a un vieux blanc ici. Ne les répondez pas. Je sais que ça se passe. Ça se passe bien. Je suis là bien. Oui, on a un binda en cellule. On a filmé, oui. J'accepte. Evan bien, il fait quoi ici? Didier fait qu'il va m'épouser. Ah ouais? Tu es riche, tu as l'argent, toi? N'importe quoi. Et puis, elle m'a baisé. Jusqu'à c'était propre. On a fait ça propre. Oui, dans la cellule, là, il y a les caméras. Vous êtes malade, mental, d'accord? Fla Karine, bonsoir. Tu as les cheveux blancs. Tu as l'argent. Moi, j'aime quand on m'entretient, hein. Je ne sais pas pourquoi mes dirigeants ne s'y aiment plus. Ça s'est passé quand j'étais au Cameroun. Je vous donne quoi? Je vous donne mes secrets pour guérir les coups dans ma tête. Je sais. Je suis une dieu à cuire. Je suis une dieu à cuire, c'est pour ça. Oui, non, on me tape jusqu'à tout le jour, ça fait quoi? Oui, Emma Binda. Oui, les rêves de tout bon Yaoundé, oui. Donc, je vais vivre avec quoi? Un noir. Pour faire quoi avec? Pour aller mettre mes photos à Facebook. Je rêve ma chose. Je rêve d'épouser un monsieur grand de taille, 1m80, parce que moi, j'aime les yeux. Donc, voilà ce que je rêve. Donc, si vous avez un ami, 1m80, bonne situation, veuillez me contacter. Oui. Et vous dites que vous avez une copine que vous connaissez très bien, elle s'appelle Veuve Joyeuse. Non, pas Veuve. Vous dites qu'elle s'appelle Valérie ou Elisabeth, bon, ou Sephora, bon, c'est ça mes noms. Hein. Moi aussi, je m'appelle Sephora hein, dans mes heures perdues. Je vous dis oui. Oui, 1m52, il faut bien préciser que je suis petite. 1m52. Toujours souriante, élégance à ses heures, joviale, on dit même ça comment, agréable à vivre, cherche un nom. Vous voyez, non? Comme en province, là, il y a souvent les annonces là.
Si vous m'aimez, voilà la chose que vous devez faire pour la veuve. Tu veux du vin d'Alsace? Bah, tu vas m'envoyer du vin d'Alsace quand? DJ Faux, moi j'étais Adi. Moi je rêve d'un mec 1m80, sportif, avec les cheveux poivre sel, avec les yeux bleus. Parce que moi j'adore les gens, les hommes qui ont les yeux bleus. Oui. Oui, 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 oui. Oui, je suis sale avec les poubelles à la maison, c'est normal. Vous n'avez pas les poubelles, toi tu n'as pas la poubelle chez vous. Vous n'avez pas les poubelles, vous n'avez pas les poubelles chez vous. Si on vient me prendre, on me met en cellule. Il y a des gens dans la maison, les gens n'enlèvent pas la poubelle. C'est moi qui sors dehors pour enlever la poubelle. Ça devient un problème, je suis une femme sale. Tu peux dire ce que tu veux, je confirme. Je dors dans le poto-poto. Oui, ma maison pue, ça sent mauvais. J'accepte. Tu es contente? Tu vas dormir bien quand ma maison est sale. C'est tout ce que vous avez à dire. Même mes poubelles sont plus propres que toi. Ma poubelle est sans. Même ma poubelle sent bon plus que toi. Toi qui m'insultes là. Tu entends? Ok, arrête de rêver. Je suis là. Je t'aime sincère. Hein? Regarde devant sa tête. Non, tu as la calvitie, ça ne donne pas. Maintenant, le père de Dieu donné était un Nigérien. Dieu donné un Nigérien. Eh bien, dis donc, vous avez à me dire, hein? On m'a goudé, oui, on m'a goudé propre. J'ai dit que même. Non, mais pourquoi vous, quand je commence à parler, vous me dites calme-toi, j'ai fait quoi? Moi, je parle. Je suis sincère, je parle avec vous. Je me calme par rapport à quoi? C'est comme ça que je parle. Vous m'avez vu insister là depuis là. Le papa de Dieu donné où? Je sais. Oui, elle m'a binda propre. Oui, j'accepte. C'est mon mari là-bas. Quand c'est mort, c'est mon mari, j'accepte. C'est le tout de le père de Dieu donné ici là. Oubliez mon fils. Mon fils est mort depuis. Donc oubliez-le. La veuve s'est repentie, pas de bastonnage avec elle. On bastonne qui? C'est de lâcheté. On bastonne qui? Et alors même si on bastonne. Il y a des gens qui ont aime taper, non? J'ai la tête d'igname. Vous avez oublié que j'ai une tête d'igname, que les gens veulent tuer ma tête. La tête d'igname. Vous savez quand j'ai la tête d'igname? Alors? Tu sais que ce n'est pas tout le monde qui mange d'igname. Il y a des gens qui n'aiment pas d'igname. Hein? Même si... Que j'enlève la tête de Kaba de Polbia. Imbécile, son Kaba. C'est mon Kaba que j'ai payé au marché à San Maurice que c'est Kaba de Polbia. C'est la force de l'expérience. Oh, encore 7 ans. Après, on va changer de présent. Fanny, tu m'as insulté. Je t'ai vu. Bon. Bon. Je suis au regard de te bloquer. Au revoir. Voilà. Parce que moi, je parle de ma chose une fois. Si les gens reviennent encore avec les mêmes choses, si vous me posez des questions, si c'est pour rigoler, moi, ça me va. Si c'est pour que vous entrez déjà dans... Merci, Rose Guiffon. Je viens de la toi. Donc, voilà. La faute de l'expérience. C'est même quoi ici la même. C'est même quoi avec vous. Si vous commencez les problèmes, moi j'arrête la vidéo. Hein? On dit que l'espoir fait vivre. Moi j'ai tué l'espoir que quelqu'un veut rester ici comme ça. Quelqu'un vient toquer ma porte. Hein?
On ne sait jamais. Vraiment, la cinta aussi. J'ai dit que je te regrette. C'était une très bonne bière. Alors là, je suis contente. J'ai bu une très bonne bière aujourd'hui. Je suis contente. Nathalie, Mbala, je suis ridicule. Ça, c'est votre problème. Est-ce que j'ai besoin que tu dises que je suis ridicule dans, dans mes vidéos? C'est toi qui es ridicule parce que c'est toi qui viens m'insulter. C'est vous qui faites. C'est vous. Tu es ridicule par rapport à quoi? Je suis là, chez moi, dans mon canapé, sur quoi? Dans mon lit où je dors. Tu dis que je suis ridicule. C'est vous qui êtes ridicule. Vous voulez quoi? Ma maison est ouverte à fréquer. Ma lindon, ma lindon à moi peut entrer ici quand elle veut. Moi je suis sa dégrenouille. Elle peut entrer ici quand elle veut. Oui, c'est comme ça. En fait, allez alors me tuer une fois. J'ai décidé que je n'insulte plus. Mais je vais vous répondre vous là. Et reviens à quoi commenter ici là. Le nom de veuve là, non. N'est-ce pas? Je dois, non. Le 1er janvier, on enlève veuve. On met que la joyeuse. Ça sonne bien, non? N'est-ce pas? Je veux aussi que veuve là, ça tient quand même que. Non. Non, c'est je deviens la joyeuse. Voilà. Les gens qui vont m'appeler veuve, on fait comment? On fait rip, non? Mais je suis quand même une veuve, non? Non, on va discuter le nom que vous voulez que je porte. On va discuter. C'est quoi, chez Luc, c'est quoi ton problème? Pourquoi vous voulez savoir qui est le père de Dieu donné? Maman, ça y est, bon, ça chez l'ange. Ah, j'ai cheveux, poivre et sel, un saint rubiman. Non. Rubiman, quand tu vas me faire le courrier comme ça, il est m'évanoui, pardon, je ne veux pas avoir de problème. Mais c'est pas bien, non. On va, non, attendez, ouais, j'ai des surprises pour vous, le jour de bonne année. Il y a des surprises au gouvernement de la joie. Donc, il y a des choses, comme je l'ai dit, il y a des choses qui vont changer, des choses qui vont changer. Bon, ça va être quand même assez dur à certaines personnes de m'appeler la joyeuse, mais ils vont m'appeler. Bonsoir ma soeur, c'est comment non? Dégrenouille, c'est bien. Ça fait quoi? C'est mon nom, non? Donc on va chercher un bon petit nom. Bien. Non, je préfère la joyeuse. Hein? Donc il y aura. On va changer de nom. Vous allez me voir, je serai très belle. Je vais vous souhaiter dans une très belle robe de soirée. Bonne année. Donc je vais vous souhaiter une bonne année. En forme et difforme. Puis voilà. Donc c'est tout. Hein. Mais vous aimez toujours m'embrouiller, non? Je connais comment vous êtes. Oui, je sais, je vais aller en province. Dis donc, vous êtes trop sauvage. Non, je prépare des moules maintenant, je n'aime plus le plantain. J'aime les moules. Vous en comprenez? Je préfère les moules. Allez, bon, je boive. Je prends mon médicament. Bon, c'est ça. Tant mieux. Tu sais, je. Oui, j'ai la tête d'un rat. C'est pas grave. Dites ce que vous voulez, j'accepte. C'est le fait de Noël. Je ne veux pas vous bloquer. Insultez-moi comme vous voulez. Vous aimez trop ça. Bon, qui aime bien châtier bien, vous m'aimez bien alors.
temps en temps aussi, je peux. Je suis célibataire. Bon, sur ce, mes amis, quand je contacte tout ce conseil, il faut que je boive les médicaments. Sur ce, je vous embrasse. Portez-vous bien. Donc demain, quand même, je vais vous souhaiter bon appétit pour votre réveillon de Noël. Peut-être que je serai à l'église ou pas, mais bon, je sais pas trop. Donc, on verra tout ça demain. Sur ce, je remercie tous les gens qui m'ont écouté et regardé. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Et puis je vous embrasse. Et puis, bah, on va se dire à demain. Donc, voilà. Oui, maman. Je vous laisse. Oui, j'accepte ce que tu dis. Oui, elle m'a léché. Ça fait quoi? Même la langue, même, je l'ai même. Bonne soirée. Bonsoir, ma mère Olga. Oui, je te souhaite les bonnes fêtes d'avance. Je t'appelle après. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Bon, demande déjà un Noël, c'est la fête des enfants. La fête des grandes personnes. C'est, pour nous, c'est quand? Pour nous, c'est. C'est quoi? Dans quelques jours? Peut-être quoi? Lundi ou mardi ou dimanche, quoi? Notre fête des 31. Les 31 au premier. Je ne sais même pas où je vais me tourner le jour-là. Oui, mais là, c'est la fête des enfants. Tant que mes enfants vont bien. Ma fille va bien, ma famille va bien au Cameroun. Et moi, je me porte bien ici. Ça va. Donc, sur ce, je vous embrasse. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Dégrenny, ma foufou, ma dogue, ma tête d'igname. Vous dit bonne nuit. À bientôt. Bye bye. Ma ça, moi, alors je deviens.